Allez, allez, ça va partir pour 10 tours. Qui va faire le all shot? Première ligne, on vous le rappelle, Vincenot, Emery, Dabert. Venez, c'est parti. Avec un très bon départ de Vincenot, mais c'est une nouvelle fois Dabert qui va faire le all shot. Non, c'est Germain Vincenot, je crois, allez, qui a été suivre, le plus rapide. Attention, Vivien Gonnet qui attaque là-bas à l'extérieur. Allez. Attention, ne pas s'accrocher. Il est pas va passer non, il est pas devant Emery. Oui, Vincenot. Oulala, là là, c'est chaud. Vincenot, ah, Germain est déjà en tête. Allez, Germain. Oui, ben, depuis un petit moment déjà, hein, voilà. Devant Vivien Gonnet. Vivien Gonnet, bien sûr. On a Maxime Emery, Noël Duvert et Sylvain Dabert qui est déjà venu. Déjà 6. Sylvain Dabert qui partait de la 4e ligne. 16e. Incroyable le départ de Sylvain Dabert. Oh, là, il est remonté comme une pendule comptoise, Sylvain Dabert. On va falloir le chercher dans les premiers. Vivien Gonnet de Vivien Dabert. C'est exceptionnel quand même. Hein. Ouais, c'est exceptionnel. Pour l'instant, Germain Vincenot, il est en train de faire la valise. Ouais. Vivien Dabert derrière. Vivien Gonnet l'attaque à l'extérieur, une nouvelle fois pour plonger maintenant. Et il va passer. Ah, c'est chaud là quand même, là, entre les deux. Là, attention de passer. Ah, l'extérieur, toujours pour tenter d'être à la corde ensuite, mais il va l'amener doucement vers l'extérieur. Et puis voilà, il ne peut pas passer. Bien vu. Parce que Vivien Gonnet, il a tout à perdre. Attention, Sylvain Dabert, hein, le retour. Il est là, Sylvain. Eh oui, il est là, mais derrière, il va l'enterrer. Il y a Maxime Emery aussi en 4e position qui cherche l'ouverture. Et Vivien Gonnet qui a failli passer là. Non. Et devant Germain Vincenot qui a déjà une seconde et demie d'avance sur ses petits camarades. Ah ouais, là, par la deuxième, troisième, quatrième place, je peux vous dire, ça va être chaud. Voilà, bon, Germain Vincenot, je crois que lui, c'est l'affaire est réglée. Et Sylvain Dabert, regarde derrière, 7e. Les quatre. Il y en a partout, mais Germain Vincenot, il est en train de se battre. Allez, Vivien Gonnet. Juste derrière Vivien Dabert et qui essaye une nouvelle fois de faire l'intérieur mais il n'y arrive pas. Il est malin Dabert parce qu'il le laisse un petit peu remonter puis après il l'amène vers l'extérieur alors que Maxime Emery est en train d'attaquer à son tour et il va passer Maxime Maxime Emery. Il a poussé un petit peu Vivien Gonnet. Ah bah oui mais il fallait y mettre le museau, il l'a réussi. Exactement, là on va suivre Sylvain il est à l'aise là, ça y est c'est reparti. Sylvain Dabert revenu dans les roues de Vivien Gonnet. Et puis alors Vivien Gonnet pour repasser Emery, ça va être chaud. Hein. Est-ce que tu as vu une nouvelle fois la motricité de la moto de Vivien Gonnet? C'est impressionnant. Alors quand il y en a un, lui c'est, il est sur une autre planète. Ah oui, la Honda, Germain Vincenot. Attention Germain, pas de faire d'erreur, là c'est tout parti d'un coup. Ouais, peut-être vexé de son résultat moyen d'Andorre, là il a mis Là on a quatre excités là pour le podium, c'est magnifique. Hein. Là ça va très bien, super. Entre ces quatre pilotes et pour l'instant Maxime Vivien Gonnet, à l'intérieur encore une fois. Vivien Gonnet limite les écarts, il est là, il suit le mouvement, il attend la faute, attention de ne pas se faire dépasser, la pénétrer à l'intérieur. C'est chaud. Hein. Ah oui, il a raté un petit peu la relance et Sylvain Dabert tout de suite a voulu revenir. Et par contre Maxime Emery qui est de plus en plus près maintenant de Vivien Dabert. Il va peut-être tenter quelque chose, Maxime Emery. Attention. C'est bon. Il y a Maxime Lacour qui est tombé. Oui, mais ça va repartir. Voilà, on met droit c'est bon. Par sécurité. Bon, il est loin de la trajectoire, donc ça va aller. Ouais. Et on retrouve déjà l'homme de tête. Voilà, il est là. Germain Vincenot avec son Honda numéro 14 qui est en train de faire. Allez, Maxime Emery qui va c'est chaud. Allez, toujours. Et Vivien Gonnet toujours à la 4e place. Tu regardes, Sylvain Dabert qui attaque à l'extérieur. Allez, Maxime, ça passe à l'intérieur. Oh là là, il se tape. C'est rien. Allez, c'est bon, c'est propre. Il est passé. Et Sylvain aussi. Sylvain qui attaque. Ouais, magnifique. Et il est passé, Sylvain. Il va le attaquer retour. Il va attaquer son frangin maintenant. Ouais. Allez, la bagarre des frangins entre le phare rose de Vivien et le phare jaune de Sylvain. Et Vivien Gonnet qui est toujours là. Vivien Gonnet qui n'a pas dit son dernier mot. Puisqu'il va revenir au contact avant le freinage dans l'épingle motule avec son Husqvarna numéro 4. Mais pour l'instant, Germain Vincenot, c'est un truc de dingue. Ah, le grand bonhomme. Et combien il a d'avance là? Il a 7 secondes d'avance. 7 secondes, Germain Vincenot, mais sur une autre planète. Incroyable. Regarde derrière. Allez, derrière. Maxime Emery, Vivien Dabert, Sylvain Dabert, Vivien Gonnet. Voilà les 4 furieux qui se battent pour le podium avec une nouvelle fois une attaque de Vivien Gonnet sur Maxime Emery. C'est le podium qui se joue là. En ce moment même, exactement. Il va falloir jouer serré pour l'instant pour la première ça place. Glisse derrière. Pour la première place sur le podium, pour l'instant on est tranquille. Ça sera Germain Vincenot parce que là après Maxime Emery 2x2, Vivien Dabert 3x3. Donc écoute, on est bien. Pour l'instant on sait. Qui reste comme ça, à mon avis ça va être compliqué parce que regarde, Sylvain peut s'intercaler, mais il était trop loin tout à l'heure. Par contre j'ai l'impression que le Husqvarna de Vivien Gonnet motrice un petit peu moins bien. Vivien Gonnet en délicatesse un petit peu par rapport à la première. Germain Vincenot, quand il arrive là devant nous, je ne sais pas comment il tient la moto. Magnifique. Oh, moi je monte pas derrière lui pour aller chercher la baguette. Hein. Mais c'est pas grave. Allez, Maxime Emery, Vivien Dabert, Sylvain Dabert, Vivien Gonnet. Vivien Gonnet, il est plus moins à l'aise que tout à l'heure. Mais bon, là, il faut y aller tranquille. Et Vivien Dabert qui suit le frangin, hein. Il est dans la roue du frangin.
Sylvain, pardon, qui est dans la roue du frangin. Voilà, Vivian. Tranquille, Vivian, belle course aussi. Ah oui, Vivian, oui, Maxime super. Maxime Emery, top, tranquille. Et dis donc, Maxime Emery, il retrouve le physique là. Ah, c'est bien, c'est bien. Il a dû faire du sport là ces derniers temps. Ouais. Allez, pour l'instant, mais ils ont... Attends, mais il y a 7 secondes. Ouais, non, c'est un truc de malade. Il y avait 8 secondes tout à l'heure, on n'a jamais vu ça. Ouais, après, on a Noël Duvert, Thiel de Clercq, Romain Giov, Randy Depugné. Regardez, il a un peu calmé le jeu là, Germain Beston. Voilà, c'est la balade. Hein. Bah oui, bah attends, on est. Il peut même s'arrêter pour acheter une baguette. Hein. Ouais, bah franchement, faut pas perdre de temps, regardez et discuter un peu avec la. Regarde les 4 là, ça envoie du. Oh là là, Maxime Emery là qui a retrouvé. Ouais, magnifique. Hein. Allez, Vivian. Attention, Vivian à l'intérieur. Ah, il est chaud, Vivian. Ah, mais ça passera pas puisque Maxime s'était écarté, mais il a rouvert les gaz un petit peu plus tôt. Et c'est Sylvain qui passe. Il fait l'extérieur. Ouais, c'est pas... S'il arrive à réaccélérer à côté du frangin, il va lui faire l'intérieur. Ça et voilà, c'est fait. Ouais. Il lui a fait l'intérieur, c'était couru d'avance. Peut-être que le frangin va se remettre à côté pour tenter l'intérieur dans le virage du bas. Non, il est trop loin. Et Sylvain Dabert gagne une place. Et il revient contre Maxime Emery. Alors là, les enfants, là, ça va avoir une bagarre extraordinaire entre Maxime Emery, le numéro 11, et Sylvain Dabert, le numéro 37. Parce que tous les deux, il y a... Bon, c'est pas des contentieux, hein, mais ils se sont bagarrés pendant des années. Ouais. Donc là, on pourrait avoir une terrible bagarre pour la deuxième place de cette super finale entre Maxime Emery et Sylvain Dabert. Les voilà tous les deux. Maxime Emery, deuxième. Sylvain Dabert, troisième. Vivian Dabert, quatrième. Et Vivien Gonnet à la cinquième place. Allez, Noël Duvert, 6. Septième, Thiel de Clercq, qui a jamais roulé sur la grave. Ah ouais, lui, m'impressionne. Ouais, magnifique. Extraordinaire, ouais. Ce qu'il fait Thiel de Clercq, numéro 52. Ensuite, on a Romain Gioff, avec son numéro 63. Randy Depugné, ouais, belle course de Randy. Hein. Ah, c'est super ce qu'il fait Randy. Ah, Maxime Lacour, un tour de retard. Ouais, avec les lèvres qui clignotent, hein, t'as vu sur les jambes de la moto. Oula, attention là. Ah, si, un sapre. Oh là 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 là, le freinage là-bas au bout. Et on voit, si, regarde le freinage. Regarde, regarde. Ah, tu sais, là, 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 à l'écran. Regarde. Je vois déjà Germain Vesto qui est revenu. Allez, Germain, la balade, tranquille. Il va mettre un tour aux petits camarades. Voilà, bien joué les commissaires. Les drapeaux bleus. Les drapeaux bleus qui s'agitent. Regardez la bagarre, toujours, ils sont ensemble entre Maxime Emery, il attaque. Il va tenter, comme il a fait avec son frangin tout à l'heure, pour replonger tout à l'heure, Sylvain Dabert. Regardez, il est dans le sillage de Maxime Emery et il va tenter de glisser là, roue avant contre la moto de Maxime Emery. Ah, il est un peu loin là, c'est dommage, il pourra pas, il est trop loin pour aller chercher c'est l'intérieur. Là, ça va être dans la descente que ça va se jouer là. Voilà, il est trop loin, il est un petit peu trop loin, il ne pourra pas l'attaquer. Allez, on va suivre notre super champion du week-end, Germain Vincenot. Ah, il a mis la un... balade. Il a mis un tour. Il est où, Germain? Il a mis un tour déjà à 4 des concurrents. Allez, vous pouvez l'applaudir, le casque rouge. C'est la balade, Germain. Le voilà. Et c'est fait. Et il vous salue en plus. Ouais, génial. Germain Vincenot, attention de pas. Attention, et là derrière. Oh, Sylvain est passé. Oh là là. Il faut la photo finish là. Là, il faut la photo finish. C'est Maxime Emery. Maxime Emery pour 4 dixièmes qui passe, 4 centièmes, pardon, qui passe devant. Et là, je ne sais pas comment il a pu remettre la moto droite. Ben là, on a évité on a évité le drame là. Ah oui, là, c'est incroyable. C'était un peu limite. Hein. La moto était à l'horizontale pratiquement. Il a réussi à la remettre. Donc, truc de malade. On va se retrouver au podium dans quelques minutes. Donc avec la victoire de Germain Vincenot devant deuxième. Maxime Emery, Sylvain Dabert, Vivian Dabert, Vivien Gonnet, Noël Duvert, Tim Leclerc, qu'on salue encore parce qu'il a fait une perf remarquable. Romain Gioff, Randy Depugnier et Randy Perresson. Voilà, rendez-vous au podium pour féliciter, applaudir, complimenter tous ces pilotes.